Le ministre chinois du Commerce et le gouvernement kazakh ont organisé le premier forum de coopération subnationale Chine-Kazakhstan à la 14e exposition Chine-ASEAN lundi. C'était la première fois qu'un pays situé le long de la ceinture et route a été invité à cet événement régional. La Chine attache une grande importance aux relations bilatérales avec le Kazakhstan. Le président Xi Jinping a mis en avant l'initiative de construire la ceinture économique de la route de la soie durant sa visite au Kazakhstan. Quand il a rencontré le président kazakh, Nursultan Nazarbayev, Xi Jinping a mis en avant la volonté de la Chine de coopérer avec le Kazakhstan dans des domaines comme les infrastructures, l'économie, le commerce, l'énergie et les investissements. Et la Chine travaille avec le Kazakhstan à renforcer les relations étroites entre ses bons voisins, bons amis et bons partenaires. La Chine et les pays de l'ASEAN travaillent ensemble pour établir des relations plus étroites et construire la route maritime de la soie du 21e siècle. Pour le Kazakhstan, c'est aussi une bonne occasion de promouvoir l'agriculture, l'énergie, le commerce et les échanges personnels. Le Kazakhstan maintiendra des échanges étroits avec la Chine pour promouvoir en commun la coopération bilatérale et faire des relations Kazakhstan-Chine un modèle pour les relations entre pays régionaux. Le Kazakhstan coopère actuellement avec 17 provinces de Chine pour faire de la construction de la ceinture économique de la route de la soie une opportunité d'élever la coopération économique et commerciale entre les deux pays.